Et merde, on se les gèle ici. Tiens, voilà quelqu'un. Salut, tu viens pour l'aventure ? Eh ouais, je suis le nain. Ça se voit. Et ça, c'est le donjon ? Effectivement, c'est le donjon de Nahalbuk. Il a pas l'air terrible. Faut pas s'y fier, hein, qu'à personne en est ressorti. Ah bon ? Faut dire aussi que personne y est entré. Bonjour, bonjour ! Ah, voilà l'elfe. Eh oui, c'est moi ! Et qui est ce petit personnage ? Je suis un nain, connasse. Un nain ? Mais quelle horreur ! Mais ta gueule ! Mais s'il vous plaît, commencez pas à vous battre. Et voilà, c'est déjà le bordel. Vos gueules ! Il y a un mec bizarre qui s'approche. Salut à vous, belle compagnie. Vous m'attendiez ? Tu viens pour le donjon ? Certes, je suis le voleur. Oh, un monstre ! Salut ! Ah, mais qui voilà donc ? Je suis la magicienne. Et voilà l'ogre. Et on comprend rien quand il parle. Je vous ferai la traduction. J'espère bien. Salut ! Tiens donc, un paysan. Je suis un barbare. Aucune différence. Je crois que c'est ça la différence. Ouais, il est con. Tarlouze. Bon alors, est-ce que vous avez bien tous votre équipement ? Mais bien sûr qu'on a notre équipement. Est-ce que vous avez des torches, de quoi manger ? Eh oui, on a pris à manger. Est-ce que vous avez à boire et... Bien sûr qu'on a de la est-ce boisson. Est-ce que vous avez vos armes et... Bien sûr qu'on mais a des armes. Mais tu vas la fermer, oui ? Mais quel chien ce nain ! Qu'est-ce qu'il a ? Il a envie de chier. Ah, c'est malin, il aurait pu faire à l'auberge. Bon, vas-y, on t'attend. Sproudaf, zag-zag. Ah là là. Les ogres sont sensibles. Rien à foutre. Les ogres sont parfois poètes. Ça nous intéresse pas. Mais il pourrait aller plus loin quand même. Les ogres peuvent chanter et danser. J'ai dit, ça nous intéresse pas. Un ogre peut faire la cuisine ou les papiers. Tu veux vraiment mon poing sur la gueule ? Eh bah, puisque c'est comme ça, restez inculte. J'aimerais bien rentrer dans le donjon, j'ai froid. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'il a faim. Mais on a mangé il y a 2 heures. C'est vraiment un ventre, cet ogre. Bon, l'ogre peut toujours manger un sandwich avant d'entrer, mais qu'il se dépêche. Zog zog, Akita. Au fait, quel est le but de notre mission ? Nous devons retrouver la 12e statuette de Gladolfer. Une statuette ? Il est écrit dans les tablettes de Skellos que seul un gnome des forêts du Nord unijambiste dansant à la pleine lune au milieu des 12 statuettes enroulées dans du jambon ouvrira la porte de Zaralbak et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie ? Aucune idée. C'est la fortune qui nous intéresse. C'est pas grave, c'est toujours bien une prophétie. Ça dépend, des fois ça parle de détruire le monde. On entre. Qu'est-ce qu'il dit ? Il a terminé son sandwich. Nous devons trouver une solution pour entrer dans ce donjon. Qu'est-ce qu'il a encore, la Uri ? Il dit qu'il a soif maintenant. Et qu'il boive et qu'il fasse pas chier. Mais j'en ai marre, il fait froid, je me barre. Bon débarras. Elna, reste avec nous, sinon tu vas faire plaisir à l'elfe. Ah merde. T'as raison, rien que pour l'emmerder, je vais rester. Rien à foutre, moi je vais ouvrir cette porte. Mais qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, je frappe pour qu'on vienne nous ouvrir. Bravo, ça va être discret comme entrée. Mais quelle conne ! Vous voyez, ça marche. Mes amis, la porte est ouverte.